Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là, ça va être des recettes spéciales, réveillon, fête ou même à des grandes occasions. Idées recettes pour les fêtes, mais ensuite vous pouvez bien sûr avoir tout au long de l'année. Là, on est sur la période de Noël et du jour de l'an. Donc, si vous avez déjà prévu, bah tant pis, vous gardez ces idées pour la prochaine fois. Et si vous n'avez pas encore prévu, hein, si vous êtes des petits retardataires, eh bien voilà, ça peut vous sauver. Alors justement, ces recettes, vous les retrouverez aussi sur mon compte Instagram. Donc je vous le remets ici, c'est ange14141414. Comme ça, vous pouvez enregistrer ces recettes. Je vous mets tout aussi également, que ce soit les ingrédients et les instructions. Donc ça, c'est top. Il y a certaines recettes. Oui, je vais toutes les mettre aussi sur mon blog, comme ça vous aurez tout aussi dessus. Donc c'est l'équilibre avec ange14.com. Donc voilà, donc vous avez soit version Instagram, soit version blog, ou ici vous pouvez faire une capture d'écran aussi également. Allez, vous voulez savoir? Ça y est, c'est parti, je vous montre. Alors en même temps, je vous détaille, comme ça on sait si c'est simple ou moins simple. Alors la première idée, ça va être... ça commence super fort, c'est le risotto de foie gras. Alors forcément, un risotto de foie gras, on n'en fait pas tous les jours comme ça, c'est vraiment pour les fêtes. Donc du coup, là, il vous faudra 4 tranches, alors c'est pour 4 personnes, hein, pour information. Donc il vous faudra 4 tranches de foie gras de canard cru, 200 g de riz arborio, 200 g de crème de champignons, un demi-oignon, 1 litre de bouillon de volaille, 5 centilitres de vin blanc sec, 30 g de beurre, 200 g de champignons de Paris, 80 g de parmesan, sel et poivre. Ensuite, vous aurez les instructions. Donc, je vous le mets aussi également. Au niveau des instructions, voilà, tout est mis, hein, vous faites fondre à beurre doux. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous dire, mais vous voyez sur l'image. Alors après, ça n'a pas l'air compliqué. Vous ajoutez le riz, vous versez le vin. Ensuite, on ajoute le parmesan. On va rincer et éponger les champignons. On va les couper en lamelles. On va faire réchauffer. On va saisir à feu vif. On répartit le risotto. Oui, ça a l'air d'être assez simple aussi. Donc voilà, ça peut être une super bonne idée. Donc ça, c'est la première idée recette. Ensuite, la deuxième idée. Ça va être le saumon en croûte de noix et à la coriandre. Alors ça, j'ai trouvé ça super sympa aussi. Donc pareil, donc je vous ai mis le nombre de personnes. Là, c'est pour 2 personnes. Il vous faudra 300 g de filet de saumon, 2 tranches de pâte campagne, 300 g de farine, sel, poivre, un bouquet de coriandre, quelques feuilles de menthe et 25 g de noix de cajou. Franchement, c'est pas très compliqué. Donc vous préchauffez le four à 95 degrés. Vous voyez, c'est vraiment minime. C'est pour que le poisson cuise vraiment. Bah c'est du saumon, donc petit à petit, et qu'il soit rosé, parce qu'un saumon cuit, c'est pas bon non plus. Donc vous mettez le filet de poisson dans un plat allant au four. Vous allez vous poivrer selon votre convenance. Vous allez mixer grossièrement les noisettes avec le pain, la menthe, la coriandre. Puis vous allez saler, poivrer. Vous recouvrez les filets de poisson avec ce mélange. Vous enfournez au four entre 50 et 55 minutes. Ensuite, vous vérifiez si le poisson, il est donc avec un couteau. Vous vérifiez si il est tendre ou pas, et vous attendez encore un petit peu, si des fois que. Et vous servez chaud forcément. Et alors en accompagnement, vous pouvez mettre du riz, des légumes, n'hésitez pas, hein, voilà, on peut rester équilibré même pendant les fêtes. Alors ensuite, on continue pour cette troisième idée de recette et on est sur bah, forcément la dinde farcie au marron, hein, si vous êtes sur cette période de Noël. Donc, eh bien ça, on ne change pas une équipe qui gagne, ça c'est génial. Donc la boîte de marrons naturel, la dinde, un œuf, 300 g de farce, 15 centilitres de lait, un oignon, 2 échalotes, une tranche de pain de mie, 50 g de beurre, 100 g de lardons allumettes fumées, une tablette de bouillon de volaille, voilà, et 3 cuillères à soupe de cognac, sel, poivre. Le cognac, c'est pour avoir, c'est pas pour la boire, hein. C'est pour avoir cette saveur en plus. C'est pour 8 personnes.
Donc du coup, pour cette dinde farcie au marron, vous le voyez là sur l'image. Donc voilà, je ne vais pas tout vous dire non plus également, mais voilà, ça peut être super bien. Mais le pain dans le bol, vous couvrez de lait, etc. etc. Bref, ça j'adore ça. Et enfin, la dernière idée, et que j'adore aussi, ce sont des brochettes de gambas flambées au rhum. Alors là, ça va être tout simple, c'est 12 gambas, c'est pour 2 personnes, une gousse d'ail, persil, beurre, du vieux rhum, sel et poivre, tout simplement. Vous mettez vos gambas en brochettes de 3 dans une poêle avec du beurre, vous faites suer l'ail écrasé et le persil. Vous mettez les gambas en cuisson et vous déglacez ces gambas avec du rhum, alors du vieux rhum, hein, pas du rhum blanc. Vous flambez un peu et une fois l'opération terminée, ça y est, c'est parti, vous assaisonnez et vous servez aussitôt. Donc ça c'est génial, pareil, vous pouvez servir à côté, vous pouvez même vous faire un risotto aussi, un risotto de gambas, ça peut être super sympa. Donc voilà, j'espère que ces idées de fête vous ont plu. On se retrouve très très vite. Voilà, alors c'est imprévu, hein, vous voyez, c'est sur d'autres jours, mais voilà, c'est les fêtes et j'ai décidé de vous faire aussi des petites vidéos comme ça. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, si ce n'est pas fait. Et la prochaine vidéo, ça va être sur les gourmandises. Ah, 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 ah. Merci à vous. Je vous souhaite une très très belle journée. Bye.